Bonjour à tous et à toutes, c'est Xtofticos, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se trouve pour un petit gameplay sur Borderlands 2, enfin un grand gameplay. C'est pas le moment de flancher, sbire. Okay, ce glacier est sous le contrôle d'un bandit qu'on appelle le Capitaine Flint. Ce voyou m'agarde comme instrument de torture pendant plusieurs mois. Excusez-moi, je on jouait à esquive le chalumeau ou ne tombe pas dans le bac d'acide. J'étais très bon au premier. Habitant de Pandore, votre attention s'il vous plaît. Ici le beau Jack. J'offre $1 million à celui ou celle qui me livrera la tête du chasseur de l'arche qui vient de se pointer à Lyersberg. Ah, et la prime sur Roland, tient toujours. Ce tueur en série à la tête des pillards écarlates. Bonne chasse, ami bandit. What, c'est quoi ça? Gros gogo. Ah bah oui, nous sommes en chasseur ultime, j'ai oublié de le préciser. Alors on va essayer de tuer depuis là. Oh super, on a réussi. On va essayer. $1 million. Ah, ok les gars, ici le Capitaine Flint. Vous allez me trouver ce chasseur de l'arche et me l'emmener. Exécution. D'accord, donc il y a Flint apparemment qui veut nous tuer. Pas comme ça. Hey, Hammerlock. Oh, monsieur, d'abord l'attaque des bandits du Capitaine Flint et ensuite Claptrap sur... J'ai dû être horriblement cruel envers des bébés chiots dans une vie antérieure pour m'inviter cela. Oh, chasseur de l'arche, auriez-vous la bonté d'attirer les hommes de Flinter, s'il vous plaît? C'est quoi votre problème? Oh non, Mégarogo! J'ai une proposition à te faire, chasseur de l'arche. Lâche l'affaire et on te tire juste une balle dans la tête. Rapide, sans bavure, bordel! J'ai pas dit mon dernier mot! Comment Sbire vient de te sauver la mise, tu pourrais pas rendre service à ton super pote Claptrap et revisser mon œil? Oui, je suppose que j'ai une dette envers toi à présent. Venez me voir, que je rende la vue à Claptrap. Mais je dois d'abord désactiver cette barrière électrique. Restez en arrière, chasseur de l'arche. Laissez Claptrap passer en premier. Je savais qu'Hammerlock finirait par accepter. Lui et moi, on est comme les deux doigts de la main. Les deux balles d'un chargeur. Deux gnomes cannibales. Pardonnez-moi, mais quand Claptrap s'exprime, mes neurones se suicident d'un à un. J'aurais besoin de prendre l'air. Donc apparemment, Sœur Hammerlock, apparemment c'est lui... Ravi de faire votre connaissance, chasseur de l'arche. Je suis Sœur Hammerlock. Homme de goût. What? À votre service. Je suis venu dans la région afin d'étudier les garogos pour mon almanach, mais les hommes du Capitaine Flint m'ont piégé sur ce glacier. Merci beaucoup de leur avoir mis une raclée. Survivre à un affrontement avec le beau Jack et chasser les bandits du Capitaine Flint, c'est jamais vu. Moi-même, je me rendais à Sanctuary. Si vous voulez mon avis, les pillards écarlates auraient bien besoin d'un héros de votre trempe. Auriez-vous l'amabilité de me passer l'œil du robot, s'il vous plaît? On va attendre. Pourquoi détrousser les morts alors que vous pouvez tout acheter ici? On voit que des armes énervées. Pas trop faible, quoi. Le tour est joué. Je suis vivant. Oui, Clopette est vivant. Sbire, maintenant que j'ai retrouvé la vue, dis donc, t'es encore plus moche que dans ma mémoire. Il est temps de rejoindre les pillards écarlates à Sanctuary. Ici, il n'y a que des tueurs et des attardés. Comme ce Hammerlock, par exemple. Je suis juste là, mec. Maintenant que la ville est plus sûre, je peux rétablir l'alimentation principale. Ce lieu propose bien des choses qui peuvent être utiles aux assassins de votre acabie. En ce moment, si je connais le chemin. Allez, vas-y, Spi. Chasse ultime. Oh. Ainsi donc, Jacques, notre vaillant leader, en a après vous. Un homme charmant, n'est-ce pas? Il déblatère des âneries sur la pacification du côté sauvage. Il instant d'après, paf, il a banni négligemment des hommes, des femmes et des enfants sans défense. Vous connaissez déjà le scénario, c'est ça? Oh, mes excuses. Enfin, je sais pas pourquoi le nécromancien fait des bruits hyper chelous. On va faire les quêtes principaux. Hein? Allez, marche, cochonnerie. Ah, zut, les crottes de bique. Le tableau déprime et achève. Ah, attendez. Les résistants. Je vais juste jeter mes boucliers de merde. Déjà, on peut jeter. Ah, bah non, donc. Toi, par contre. Tu peux dégager, toi tu
dégages. Toi, tu dégages. Tu dégages, tu dégages. Tu dégages. Tu dégages. Tu dégages. Si. 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 Toi aussi. J'ai connecté avant de partir pour Sanctuary. J'avais du travail à vous proposer. Bon, eh bien, passez me voir à la place. Flint et moi avions un accord. Je lui remettais le butin trouvé sur les cadavres abandonnés par Jack sur le glacier, et il se retenait de me torturer plusieurs heures à la suite. En fait, il le faisait quand même. Mais aujourd'hui, c'est fini. On va le buter, récupérer mon vaisseau et retourner à Sanctuary. Par ce chemin. Je vais te dire ce qui va se passer, chasseur de l'arche. Boum boum, mon fidèle second va t'éclater la face. Ça va être trop bon. Jack va nous payer. Et moi, j'utiliserai ton cadavre comme fausse sceptique. N'écoutez pas, On les appelle comme ça parce qu'ils écorchent les gens. Et pour vous dire, il va pas nous tuer, vu mon niveau et ceux des ennemis. Ces bras de gel sont vraiment dégueux. Alors ma poule, qu'est-ce que tu racontes? On s'est pas beaucoup causé. Le fait des filles, je vais essayer de tuer depuis là. Tu penses que tu vas te transformer en bonhomme de neige? Pour ce que non, je vais y arriver. Ça m'étonnerait. Les bandits t'attraperont. Oh merde! Attendez, j'en fais. Ma journée à moi? Pas mal. Je me suis acheté un poney en diamant parce que j'ai de la maille. Enfin, ah bah là, c'est bon. C'est cool. Ok, bye. Je vais prendre ce terme-là. Protège-moi, Sbire! Par contre, j'adore ces masques. Qu'as-tu fait, Sbire? C'était des êtres humains, avec des familles, et... Non, c'est pour rire. Allez, on s'en fout. Je me creuse la tête pour trouver un nom à ce pony en diamant que j'ai acheté. J'avais pensé à Face de paix en ton honneur. Mais bon, ça fait un peu immature. Que penses-tu de étalon du cul? Oh non, c'est encore pire. Je vais y réfléchir un peu. Apparemment, il y avait un manu que maintenant j'ai jamais vu. Oh, franchement, j'adore le masque de maniaque. On s'en c'est clapula qui ouvre le truc. Godel. Je te dois quelques explications. Le poney en diamant dont je te parlais, c'est un cheval en fait. C'est pas une sculpture. Et il est tout couvert de... Tu sais quoi? Je vais le chercher. Étalon du cul! Étalon du cul! Viens dire bonjour! Étalon du cul? Oui, t'as gueule, Jack. Balancez la sauce, les mecs! Je vais tout faire péter! Bonjour. C'est l'air! Il a lâché un mode de grenade! Pensez t'équiper avec! J'ai pas tué vous? Tu sais quoi, je vais les tuer. Par ici. Oui, mais attends, claptrap là. J'essaie de tuer des oiseaux là qui me fait chier. Je sais quoi, je vais faire. Oui, bah, deux ans, Clapy. C'est bon. J'ai hâte de semer la discorde. Je sais. Sbire, mets-toi au canon. Sécurité, c'est compris? Si tu détruis cette porte, la première loi, je vais être très très cabossé. Alors attends, je me mets la boîte.
pas mal comme début. C'est l'heure. Pour moi, ce sera 2 kilos de barbac. Ah, il est pauvre, le maniaque, hein. Je regrette tout. Tu vas rire. Il se peut que j'ai quelque peu fomenté une mutinerie contre le capitaine Flint avant la glaciation express. Ce qui explique que ces gars me cassent la figure. C'est ça, les gars? Ta gueule! Ok. Ah, Claptrap a un nouveau sbire. J'avoue que notre petite amère me manque. Les bruits qu'il a fait quand on lui a foutu le feu. Respect, robot. J'en pleure. Shoot dans le PD. Je meurs un peu, c'est normal, ne vous inquiétez pas. C'est un bug de bouclier et de... Enfin, c'est un bug de mon perso, quoi. Je vais vous assurer. Pour retrouver mon Claptrap, ce petit salopard a réussi à s'enfuir. Et c'est Eaton qui me sert de bonhomme à torture. Bon, cet endroit est dégagé. Heureusement. Punaise, on est déjà à 12 minutes. Bon, pour moi, ça sera 11, c'est normal, car c'est le montage. Bah, je... Bon, en même temps, il y en a qui... Vous m'avez demandé pourquoi je rajoute pas des effets spéciaux et pourquoi la qualité des vidéos est dégueulasse. Donc, je vais vous expliquer. En fait, c'est un bug de mon logiciel. Faudra que j'essaye un bug. Enfin, faudra que j'arrive, quoi. Et on vous tue pas. Réfléchissez. Prenez votre temps. Enfin, c'est promis, j'essayerai d'avoir des options. Enfin, des qualités mieux déjà. Car sinon, ça va plus aller. Enfin, ça va être le bordel et tout. Tu es fait, Flint. Mon nouveau sbire est une vraie brutasse. Pour ceux qui veulent jouer à ce jeu, je mettrai le lien du jeu dans la description. Je t'adore, mon Protège-moi, sbire. Il est pas il est vraiment pas cher, hein, mais il est valable sur Steam aussi, mais plus cher sur Steam. C'est pour ça que moi, je l'ai acheté sur Amazon pour que je paye pas très cher. Donc voilà. You. Là. Hop. Plus de douleur pour ma Discord. Après, je vous jure, si c'est normal si vous avez pas le perso nécromancien, car il faut acheter un DLC. Je peux pas monter les escaliers. Trouvons un autre chemin. Enfin, j'ai arrêté de parler les gens pour laisser parler les portes. Recharge la Discord. C'est un début. Prends ton temps, sbire. Attendre sur une plate. Je monte. On va attendre que Clappy arrête de parler. Voilà. En fait, après il y a le bordant en presqu'UL. Enfin, je crois que je vais faire. Je crois que je vais l'acheter. Je sais pas. Pour le moment, je peux pas trop. Que... Enfin, je suis pas un homme riche. Je suis pas une personne hyper riche non plus. Hein. Mais je vais essayer. D'avoir le jeu. Préviens-moi si quelque chose te plaît. Si vous voulez d'autres vidéos sur Borderlands 2, demandez-moi dans les commentaires. Hein. Mon millionnaire. Je peux en faire dès que je peux. Rembourse pas. Enfin, vous me dites tel DLC ça et je vais vous dire si je peux. Je suis sûr qu'on se reverra bientôt. Par exemple, un DLC de Torg, ça je pourrais. Montre-toi, Flint. Voilà. Ton unité Claptrap est revenue. C'est nos petits bonhommes à torture, les gars! Ça va chauffer! On se va mourir, oui. Ça, c'est Capitaine Flint que je vais tuer en zone. Sphincter! Je suis désolé, Capitaine! Oh yeah! Tu es la plus grande terreur que ce glacier ait jamais connue! On va peut-être enfin me respecter!
On est où, Clappy? Mort robotique. Tu le trouverais peut-être, on va voir s'il est un peu plus chaud. Allez, on n'a plus qu'à rejoindre mon vaisseau. Le soleil va arriver. Si ça gêne, tu fermes. Ouais. Je vais pas faire les mains, t'as pas jamais. D'accord. Alors, voyons voir ce qu'on a. Excusez-moi, la jambe envoie ma mère. Le voilà, le plus beau des vaisseaux. Descends-le tout de suite, marin d'eau douce. Je fais un petit résumé. Nous approchons du sanctuaire, Ismir. Le par-devant, okay. Va dire aux habitants ce que je veux pour fêter mon retour. Je reste ici. On ne trouvera pas le sanctuaire. Restez dans votre trou, c'est la part de sanglier. Je te vois. C'est génial. Vous voulez pas retourner dans votre camp, les gars? Ah, bonne idée. Bon, on fait demi-tour et on rentre dans notre... Pandore est un endroit violent et sans pitié. Sanctuary, c'est à peine moins pire. Il te faut une voiture pour parvenir aux portes de la villa. Va à l'autoloc. Cette machine peut te mater... Oula, merde. Oh, pardon. Mince. C'est un certain scooter qui contrôle les bornes autoloc. Il lui manque peut-être une ou deux cases, mais c'est un petit prodige en matière de véhicule. Il a verrouillé cette station pour la protéger des bandits. Il y a un robot d'hyperion inactif dans le camp des sans-pitié. Si tu peux brancher son adaptateur d'interface sur l'autoloc, je piraterai la borne et tu auras ton véhicule. Branche l'adaptateur sur l'autoloc dans les yeux quand je t'offre une voiture. C'est pour moi. Oups. Alors, si vous voulez, je peux faire des tutoriels, par exemple, comment créer un plugin sur Minecraft. Si vous voulez, demandez-moi dans les commentaires, je ferai. Changement de phase. J'essaierai de plus de plus vite possible. Ah, il y a du texte, je vous parie. Désactivation du verrouillage en cours. Donne-moi une minute, je vais pirater l'autoloc. Je m'en suis assuré. Autorisation de l'utilisation. Merci pour l'oser. Bravo. Demande une autre voiture. Merci d'avoir choisi l'autoloc de scooter, t'as vu? Très élégant, très bien. Maintenant, va trouver Roland à Sanctuary. Il sera ravi de rencontrer la personne qui a tenu tête et survécu au beau Jack. Ok, alors, il faut aller à Sanctuary. Par contre, je me rappelle pas où c'est, par contre. Des fois, je vous envie, vous, les bandits. Vous n'avez pas à vous soucier de trucs comme l'intelligence, ah oui, la culture, la morale, l'honneur, l'ambition, la classe. La liste est longue. Je pourrais continuer, mais... Non. Sanctuary. La dignité. J'ai failli oublier la dignité. Du calme, étalon du cul. Du calme. Sanctuary. Dégage, toi. Allez, boum. Ça sera l'exécution sans merde pour vous tous jusqu'au dernier.
C'est bien fait. Écoutez-moi, bande de sans pitié de mes deux. Vous entrerez jamais dans le sanctuary. Oh, minute, un chasseur de l'arche. Roland veut vous parler. Attendez, je lui passe un écho. Alors c'est toi dont tout le monde parle sur les ondes. Moi c'est Roland. Avant j'étais un chasseur de l'arche comme toi. Et puis j'ai formé les pillards écarlates. On se verra à mon retour à Sanctuary. En attendant, j'ai besoin de toi. On m'a dit que le caporal Reiss n'était pas revenu avec le beurre énergétique. On en a besoin pour alimenter les boucliers de la ville. Ramène Reiss à Sanctuary et tu auras gagné ta place chez les pillards. Roland t'a contacté ? Bien. Écoute tout ce qu'il te dira. Il peut nous aider à faire tomber Jack. J'ai pris le cœur énergétique sans pitié. Faites ce que vous. Je suis touché. Je vais les semer dans les mains au fil. Reiss a des ennuis? Bon sang. C'est pas comme si on était en sureffectif. Trouvez le soldat. Frappe! Sans pitié, ils sont trop nombreux. Quelqu'un m'attend! J'ai besoin d'aide! Les stacks de mes deux! J'ai une fille et son piège mort. Un chasseur de l'arche. Je pensais qu'on méritait une telle escorte. Il y a un de ces tarés qui s'est enfui avec un cœur énergétique. Sans lui, Sanctuary est vulnérable. Je vais cumuler. Rapportez ce cœur à Sanctuary. Moi, je vais faire une petite sieste. Oh. Réveillez-moi lorsque j'aurai quitté Pandore. Reiss est mort. C'était l'un des premiers de la lance que j'ai recruté chez les pillards. Et c'était un titre bien. Ramenez donc ce cœur. Et tant que vous y êtes, massacrez quelques bandits pour Reiss. C'est ce qu'il aurait voulu. Je me sens plus en plus fort. Il est bien un repère de zone. Parfois, ton système Echo est incapable de localiser précisément ta destination. Dans ce cas, fouille la zone située dans l'énorme cercle vert sur ta mini-carte. Ton objectif se trouve quelque part dans le périmètre. Donc, message pour Sanctuary, le bastion ultime de la résistance. Pandore, telle que vous la connaissez, le chaos, les pirates, etc., c'est terminé. Faites-vous une raison, nous allons entrer dans une ère régie par l'ordre et la paix. Rendez-vous... Roland, non, c'est pas... Oh, c'est le chasseur de l'arche. Il te plaît, mon discours? J'ai menti sur la fin, au fait. Je vais prendre tout... Alors comme ça, tu es à Bandyville, hein? C'est super. Ça sera un plaisir de te voir. Le commandant Roland nous a parlé de vous. C'est vous qui avez survécu à Jack. On a sérieusement besoin de votre aide. Mais chaque chose en son temps. Branchez ce cœur énergétique sur le générateur du bouclier. Enfin.
des infos sur comment arrêter... Jason, tiens-toi droit! Il y a un chasseur de l'arche qui a... Laissez-moi vous ouvrir la porte. Et c'est là qu'on va s'arrêter. Les gens, j'espère que c'est... que ce gameplay sur Borderlands 2 vous aura plu. Demandez-moi dans les commentaires si vous voulez un autre gameplay sur ce jeu. Allez voir le mécano de la ville. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne pas rater la date de mes prochaines vidéos. Ciao. A besoin de ton aide.